vous proposer une présentation de la SPIM parce que ça nous permet d'élargir un peu nos horizons aux acteurs de l'immobilier qui ne sont pas forcément les acteurs les plus représentés au sein de Finance for Tomorrow, même si on compte déjà parmi nos membres Horizon AM, qui est aussi une société de gestion de portefeuille spécialisée dans l'immobilier résidentiel. Et ça nous semble intéressant justement de pouvoir vous présenter à la fois les activités de la SPIM pour pouvoir aussi créer des liens, des passerelles, c'est toujours l'objectif entre nos membres, et puis que la SPIM puisse aussi vous présenter sans doute plus en détail si tout le monde ne l'a peut-être pas vu passer cet été, le lancement du label ISR immobilier, puisque ça a été vraiment une grande avancée avec des travaux qui ont été menés conjointement par la SPIM et avec l'AFG aussi, avec PwC depuis 2017, me semble-t-il, et qui ont permis d'aboutir l'été dernier au lancement de ce label ISR immobilier, qui est vraiment une déclinaison du label ISR déjà existant, avec adapté aux spécificités des fonds immobiliers. Et donc, on voit qu'il y a quand même un potentiel aussi important sur ce segment-là, et notamment en lien avec le financement de la transition. Et en lien avec ça, je voulais juste vous mentionner aussi la mission qui a été confiée à Olivier Zichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts et directeur de la Banque de territoire, par Bruno Le Maire et Emmanuel Wargon fin décembre, avec la mission donc de piloter une task force dédiée qui doit permettre d'accélérer la rénovation des bâtiments énergétiques et notamment des passoires thermiques. Et donc, voilà, je le mentionne parce qu'on voit que la question vraiment de l'immobilier, bien entendu, de la rénovation thermique des bâtiments sont des questions qui sont aussi essentielles sur nos sujets de finances vertes et de finances durables. Et c'est à nouveau la raison pour laquelle on espère que cet échange avec la SPIM vous sera utile et intéressant. Et donc je vous laisse la parole, Véronique, pour vous présenter, et puis bien entendu l'objectif aussi, et le petit comité doit permettre ça, c'est de pouvoir prendre aussi vos questions pour permettre une discussion tous ensemble. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat ou bien à vous manifester pour prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Anne-Claire, bonjour à tous et à toutes. Donc, je ne sais pas qui sont les participants, mais voilà, en tout cas, nous on est ravis à la SPIM d'avoir rejoint Finance for Tomorrow cet été et puis de pouvoir expliquer notre secteur. Alors je précise que je me présente, Véronique Donadieu, je suis déléguée générale de la SPIM, et puis cette présentation est faite aussi conjointement avec Thierry L'Aquitaine, qui est par téléphone, mais qui est bien présent et qui est le président de notre commission ISR, et puis avant tout aussi directeur de la recherche, enfin directeur ISR de l'investissement durable chez AEWC Logère, un grand acteur des fonds immobiliers. Alors effectivement, plus que de présenter la SPIM, l'idée aujourd'hui c'est de faire une vue d'ensemble évidemment sur ce qu'on est nous en tant qu'association, mais c'est surtout pour vous présenter finalement ce qu'est l'univers des fonds immobiliers non cotés, parce que je ne suis pas sûre qu'au fond tout le monde dans le secteur de la finance ait les idées très claires sur ce qu'est notre secteur, et puis d'ailleurs de zoomer évidemment sur nos enjeux de finance durable qui ont une grande résonance sur toutes les thématiques qui sont par ailleurs travaillées au sein de Finance for Tomorrow. Donc je pense qu'il y a réellement matière à ce qu'on travaille ensemble sur ces aspects-là. Et puis, alors il y a quand même un enjeu, comme vous l'avez souligné, très spécifique sur l'immobilier. On y reviendra, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on pensait intéressant d'en faire un sujet en tant que tel, et puis de faire aussi ensuite un focus dédié sur la déclinaison effectivement immobilière de ce label ISR qui existe déjà depuis plusieurs années. Voilà, donc peut-être donc pour vous présenter très rapidement ce qu'est l'association, la SPIM, c'est l'association française des sociétés de placement immobilier. Donc, c'est une association qui existe depuis très longtemps, qui est, je dirais, aussi un petit peu particulière dans l'univers des associations professionnelles, y compris, on le voit, au niveau européen. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de le souligner, c'est qu'on est peut-être une niche, mais qui a des vraies spécificités. Et on voit bien que sur les sujets de finances durables rapportés à, dès qu'on parle des fonds non cotés immobiliers qui investissent ou qui ont des démarches ESG,
Au fond, on n'est pas très nombreux à se positionner pour pouvoir faire la loi, les enjeux d'une part et les spécificités, malgré tout, quand même à prendre en compte dans le cadre réglementaire financier. Et que donc, notre voix doit être entendue. Et c'est pour ça aussi qu'on doit se servir de tous les relais, parce que finalement, cette niche-là qui est importante, quand on parle de transition énergétique, voilà, n'a pas toujours bien compris, y compris des autorités, des interlocuteurs qui décident pour nous au niveau européen. Voilà, donc ça, c'est une toute petite parenthèse sur la spécificité quand même de l'association. Donc, on a 110 membres, parmi lesquels, et c'est notre spécificité, je vous l'ai dit, c'est de représenter les sociétés de gestion de portefeuille immobilier. On a également, comme beaucoup d'associations professionnelles, dans notre univers intégré, ce qu'on appelle, nous, les experts correspondants, qui sont en fait tous les acteurs de l'écosystème avec lesquels travaillent nos adhérents, donc cabinet d'avocats, experts comptables, audit, etc. Voilà. Donc, alors, les sociétés de gestion de portefeuille immobilier, c'est ce que je dis, vous ai dit, c'est d'abord des sociétés de gestion qui sont toutes agréées par l'AMF. Hein, ça, il n'y a aucun sujet là-dessus. On est bien des sociétés de gestion. Des portefeuilles d'actifs immobiliers, alors ce qu'on appelle dans le jargon financier des fonds d'investissement alternatifs en immobilier. Et puis, ce sont aussi des fonds qui sont autant commercialisés à l'égard d'investisseurs de détail que d'investisseurs institutionnels à travers des produits que vous avez peut-être entendu parler, que sont les SCPI, que sont les OPCI. Alors, on dit OPPCI quand c'est pour des professionnels, OPCI quand c'est des particuliers, mais aussi des SCI, etc. Donc, ce sont des produits d'investissement qui sont commercialisés soit en direct. Par exemple, les SCPI sont plutôt commercialisés en direct, soit dans le cadre de contrats d'assurance vie en unité de compte, comme par exemple les OPCI. Ce sont des exemples. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, les encours que représentent en fait les actifs actuellement gérés par le secteur s'élèvent à 231 milliards d'euros. Donc, c'est une progression qui est certaine et assez importante depuis quelques années. Pour être un peu plus précis sur quel type d'immobilier on parle d'immobilier commercial essentiellement, c'est-à-dire essentiellement de l'immobilier tertiaire, du bureau, du commerce. On verra, je vous présenterai un graphique qui montre un petit peu la répartition, la typologie des actifs dans lesquels sont investis les fonds que nous représentons. Donc, c'est essentiellement de l'immobilier commercial, donc commerce, bureau, plateforme logistique. On voit quand même de plus en plus aussi un secteur qui évolue et qui se développe, c'est le secteur de ce qu'on appelle la santé, tout ce qui est résidence gérée, donc les maisons de santé, les maisons de retraite, les résidences étudiantes, etc. C'est un secteur d'actifs sur lequel, effectivement, il y a une tendance très forte à orienter les investissements. Voilà, donc nos adhérents, ce sont autant des adhérents qui peuvent être indépendants, des petites sociétés de gestion très spécialisées. On a aussi des grandes sociétés de gestion indépendantes spécialisées sur l'investissement immobilier. Puis on a de façon plus classique des filiales de groupes bancaires ou de groupes assurantiels dédiés sur l'investissement immobilier. Vous pouvez en avoir un aperçu là sur cette slide. Voilà, donc par rapport à l'univers plus général de l'investissement, de l'immobilier d'investissement en France, à côté il y a trois grands types d'investisseurs. C'est donc les fonds non cotés que nous représentons. Vous avez aussi les foncières cotées, vous avez aussi les grandes compagnies d'assurance. Et vous voyez que notre secteur représente le premier détenteur en fait, français d'immobilier d'investissement. C'était aussi la plus grande part d'investissement en immobilier il y a 2 ans de ça, sur tous les investissements qui étaient réalisés il y a 2 ans de ça. Alors, simplement une petite précision, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais aussi pour vous situer le secteur par rapport à son univers européen, on est actuellement, je crois qu'on doit être à peu près à égalité avec les Allemands en termes de secteur sur les fonds immobiliers non cotés. On est, je crois même qu'on peut dire qu'on est le premier secteur, je pense, depuis cette année. Voilà, donc, je vous l'ai dit, la répartition, elle est très axée hein, sur le bureau, comme vous voyez, 53% valeur d'encours, le commerce, les activités de logistique. Un trait particulier quand même tendanciel, c'est que la santé et le logement tendent quand même à se développer. Ça, c'est la répartition des encours par typologie véhicule. Bon, je vais passer vite, de toute façon, cette présentation sera disponible après. C'est pour
être un petit peu plus précis sur où vont les répartitions des encours par typologie de véhicule. Voilà. Voilà, donc si on zoome un petit peu plus quand même sur le secteur et ses enjeux en matière de finances durables, ce qui, je pense qu'il est important déjà de rappeler dès le départ, c'est que l'immobilier, c'est avant tout un secteur clé pour atteindre les objectifs de 2050 en termes de neutralité carbone. Voilà, parce que tout simplement, il représente 40% de la consommation d'énergie finale et près de 36% des émissions de gaz à effet de serre quand on parle du cycle de vie du bâtiment et pas seulement de son utilisation. Donc, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, qui sont éloquents. Donc, je dirais que si on veut faire une transition, transition vers l'univers décarboné, c'est évident que l'immobilier doit être intégré dans toutes les politiques et toutes les réglementations qui s'y attachent. Mais on le verra plus tard. Dans la réglementation financière, l'enjeu, c'est bien de bien comprendre qu'un portefeuille d'immobilier d'actifs immobilier ne fonctionne pas de la même façon qu'un portefeuille de valeurs plus traditionnelles, de valeurs mobilières. Alors, pour parler en fait du secteur de l'immobilier, on peut avoir, enfin en tout cas de notre univers, on peut avoir deux approches. Hein, soit, enfin les deux sont concomitantes, il faut les garder à l'esprit. C'est que il y a la réglementation financière qui va aller de plus en plus encadrer la façon dont les gestionnaires vont appréhender leur approche extra-financière. Et puis on a nous derrière aussi toute une réglementation sur le sous-jacent, sur l'immobilier, qu'on peut pas mettre de côté. Et c'est vrai que sur la réglementation immobilière en tant que telle, la réglementation environnementale en France est déjà très avancée. Vous avez peut-être entendu parler du plan bâtiment durable, de la nouvelle RE 2020 qui pose des cadres en termes de performance énergétique, des objectifs extrêmement exigeants en France par rapport à l'univers déjà européen. Alors, un fait aussi qui est important à souligner, c'est qu'on parle beaucoup de performance énergétique du bâtiment et de l'immeuble, mais le secteur, ce qu'on voulait notamment valoriser à travers notamment une déclinaison immobilière des labels ISR, c'est que quand on parle de bâtiments, on parle aussi d'autres univers qui sont l'investissement, enfin les enjeux sociétaux et les enjeux de gouvernance. Et au-delà, pas seulement aussi de l'impact carbone et de la consommation énergétique, mais quand on parle du E pour le pilier environnement, on parle aussi de biodiversité, on parle aussi de la gestion de l'eau et des déchets, et donc d'autres thématiques très fortes quand on parle de pilier E et quand on est ramené à l'univers du bâtiment, et c'est sur ces thématiques-là aussi que travaillent aussi les gestionnaires de portefeuille immobilier. Et puis les enjeux sociétaux, quand on parle de l'immobilier, évidemment, c'est extrêmement important puisque on le voit à travers les activités tertiaires, enfin les activités dans lesquelles investissent nos adhérents, qui sont au cœur de problématiques d'évolution sociétale, de nouvelles façons de travailler, nouvelles façons de vivre, nouveaux usages, qui donc demandent aussi résolument de suivre ces nouveaux besoins, de les accompagner et donc d'adapter aussi les parcs d'immobilier à ces enjeux. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, donc un tout petit mot aussi pour situer notre univers par rapport à la réglementation financière sur les approches extra-financières. Bon, vous connaissez tous l'article 173, etc., qui a déjà posé de grands jalons en France sur la façon comment doivent reporter notamment les gestionnaires de portefeuille sur leur impact sur le climat. Alors, j'ai de façon un petit peu étonnante, mais c'est comme ça, les gestionnaires de portefeuille immobilier n'étaient pas soumis à cette réglementation. Maintenant, il y a un changement hein, avec les réglementations européennes qui arrivent et puis notamment SFDR, la taxonomie, bien sûr, les inclut et puis la doctrine financière en matière d'approche extra-financière de l'AMF inclut bien les gestionnaires de portefeuille immobilier. Donc, on est bien dans le champ de cette réglementation financière, mais je dirais ça arrive un petit peu plus tard que l'univers traditionnel de gestion d'actifs. Et c'est aussi pour ça que finalement, toute la réflexion du secteur s'est structurée peut-être un peu plus récemment sur l'univers de la réglementation financière, bien qu'encore une fois, au niveau du portefeuille d'actifs immobiliers, les réglementations environnementales, par exemple, étaient déjà très développées. Voilà, donc une grande spécificité qui aura un impact non négligeable ensuite sur la façon dont on appréhende l'ESG sur les portefeuilles d'immobilier, pour les gestionnaires en tout cas d'actifs, c'est que
comme tous les gestionnaires, les sociétés de gestion de portefeuille immobilier gèrent le fonds, mais elles ont aussi la spécificité de gérer le portefeuille d'actifs immobiliers qu'elles gèrent. Elles ont un levier direct sur la politique qu'elles peuvent mettre en œuvre. Et ça, c'est un élément très important qui ressortira en tout cas quand on abordera notamment le label ISR. Voilà, donc tout ça, ça s'est concrétisé, je dirais, toutes ces démarches-là, et tous ces éléments, en fait, nous ont amené à mettre en place, au niveau de la SPIM, une commission ISR qui est assez récente, depuis un an, mais on a abordé beaucoup de thématiques, notamment, on verra sur la slide d'après, c'est Thierry qui prend le relais, pour nous positionner par rapport, effectivement, aux réglementations financières et par rapport aux autorités de tutelle avec qui on échange depuis donc un an ou deux au niveau français, au niveau européen. Voilà, donc là, je laisse peut-être Thierry L'Aquitaine prendre le relais sur effectivement la taxonomie européenne, le règlement disclosure, ETIF, etc. Enfin, tous les sujets qui nous ont occupés cette année et qui vont continuer à nous occuper encore pendant un bon bout de temps. Bonjour à tous, je suis avec vous au téléphone, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout à fait, on vous entend très bien, Thierry. D'accord. Alors, donc, je suis directeur de l'investissement socialement responsable chez AWC Logère, président de la commission ISR de la SPIM et président de l'association Circolab, qui promeut l'économie circulaire dans l'immobilier et notamment le réemploi des produits et matériaux du bâtiment en fin de vie. Alors, je vais vous présenter les slides d'après par rapport à tout le contexte réglementaire qui est en train de se mettre en place, que vous savez très bien, et on se réjouit de voir, en tout cas, dans les principes, ce que le législateur cherche à faire. Après, dans la mise en œuvre, c'est un peu plus compliqué. On a participé aux consultations sur la taxonomie et sur le disclosure. Alors, sur la taxonomie, notre vision bâtiment, c'est que le neuf est privilégié, avec un niveau d'exigence qui est excessivement élevé. Il peut y avoir beaucoup de bâtiments qui aujourd'hui correspondent au niveau d'exigence de la taxonomie, puisqu'au niveau net ZEB, moins 20%, donc c'est un niveau d'exigence très élevé. Il y a aussi une incompréhension de ce qu'est un investisseur immobilier, un gestionnaire d'actifs, puisqu'on considère qu'il est juste là pour les bâtiments neufs, qui n'intervient pas sur les bâtiments existants, et donc globalement qu'il n'y a pas de que la taxonomie n'incite pas à la transition écologique, que la transition vers des immeubles performants ne transparaît pas dans la taxonomie. On comprend bien qu'il faut des immeubles neufs performants, mais le défi dans l'immobilier, c'est pas sur les bâtiments neufs, c'est sur les bâtiments existants, puisqu'on construit à peu près 1% de bâtiments neufs tous les ans. Et que le challenge, ce sont bien les bâtiments existants, le parc existant, comment on va bien pouvoir les rénover. Le deuxième sujet, le règlement disclosure, on a aussi participé à ces travaux, et notamment répondu à la consultation. Alors là aussi, on a observé, s'agissant de l'application à l'immobilier, que ça allait être difficile, voire impossible, puisqu'avec les 32 indicateurs qui sont... qui figurent dans les indicateurs proposés dans le cadre du règlement disclosure, la plupart ne s'appliquent pas à l'immobilier, c'est-à-dire que ces informations n'ont soit pas de sens, soit n'existent pas en immobilier. Donc on a fait des contre-propositions en proposant un nombre beaucoup plus réduit d'indicateurs, mais en tout cas qui sont pertinents, qui sont matériels pour l'immobilier. On a aussi des difficultés, mais là je pense que c'est la même chose pour tous les acteurs financiers sur les articles 8 et 9 et l'interprétation de ces articles, et notamment la façon dont ça va s'articuler avec la taxonomie, pour le coup, puisque la taxonomie est une définition des actifs verts par la Commission européenne et que la SFDR demande de classer nos actifs, nos produits financiers, selon leur niveau d'ambition ESG, donc quelle articulation. Et puis aussi, comment tout cela va se coordonner avec le label ISR immobilier, puisque
On pourrait penser que le label ISR, c'est le plus haut niveau d'exigence et que ça correspondrait à l'article 9, mais ça ne semble pas être la position de tout le monde. Donc, il y a besoin là-dessus de clarification. Ensuite, la réglementation LTIF, moi, je ne suis pas très familier. Je ne sais pas si Véronique, tu voulais dire un mot là-dessus, les critères environnementaux. Oui, vraiment 30 secondes, LTIF, parce que bon, ce n'est pas une réglementation... J'irais environnemental ou en tout cas de transition, mais pour nous, c'est un vecteur enfin, qui peut permettre effectivement de mieux diffuser à travers l'Union européenne des produits qui ont justement vocation à faciliter, à aider la transition. Et donc, voilà, à partir du principe que des fonds immobiliers par nature sont des fonds d'investissement de long terme et qu'il y aura des fonds qui vont être labellisés ISR avec un impact fort, hein, comme on disait, sur l'immobilier, sur des engagements E, sur des engagements sociétaux. Pour nous, évidemment, le règlement LTIF, en tout cas le passeport LTIF, hein, qui a vocation à permettre de vendre transfrontière de façon transfrontalière des produits financiers à une clientèle de détail sous certaines conditions. Évidemment, seraient des produits qui seraient tout à fait pertinents dans la philosophie d'Eltif. Voilà, donc, à l'heure actuelle, ça fait partie effectivement de nos axes de travaux forts. On a le soutien aussi d'un certain nombre d'autres acteurs et aussi des autorités françaises. Voilà, c'est, pour nous, c'est une façon aussi de d'ouvrir un bassin d'épargnants. Sur des produits vertueux et de pouvoir aussi améliorer la commercialisation de tels produits qui ont du sens dans les objectifs actifs. Merci Véronique. Alors, dernier enjeu, c'est l'enjeu sur les données ESG avec déjà une particularité de l'immobilier, c'est que nous produisons la donnée ESG, nous ne l'achetons pas. Comme nous gérons les bâtiments, nous avons accès aux informations sur l'immeuble, nous mettons en place des systèmes de comptage pour récupérer les données de consommation, nous calculons les émissions de gaz à effet de serre, nous avons les données de consommation d'eau, de production de déchets, des performances sanitaires et qualité de l'air dans les bâtiments, nous disposons de ces informations, donc nous n'avons pas recours à des pourvoyeurs de données. Nous produisons nous-mêmes nos données. Une difficulté, c'est que nous n'avons pas de base de données avec les statistiques des données ESG dans l'immobilier, malheureusement. Alors, ça devrait changer dès 2021. Avec le décret tertiaire, on va disposer de bases à travers les pouvoirs publics grâce au décret tertiaire. Il y a des initiatives qui ont été lancées il y a quelques années, notamment l'Observatoire de l'immobilier durable, qui collecte des données de consommation, d'eau, déchets, de carbone. Mais c'est une initiative qui reste modeste et on n'a pas les informations sur toutes les typologies d'immeubles. Autre difficulté, actuellement, il existe une seule agence de notation de la performance ESG des fonds et portefeuilles immobiliers au monde, c'est le GRESB, pour Global Real Estate Sustainability Benchmark, qui est une initiative européenne qui a été rachetée par les Américains qui a été revendue cette année. Je crois que ça redevient européen. Mais bon, c'est un problème, c'est une difficulté, parce qu'on est à la merci d'une seule agence de notation, et donc un enjeu de souveraineté concernant les données ESG, et on voit de plus en plus d'acteurs américains qui récupèrent de la donnée sur la performance ESG de nos bâtiments. Donc un enjeu qu'il faut avoir à l'esprit. Alors je vais vous parler maintenant plus en détail du label ISR. Ce label ISR a commencé, à vrai dire, en 2016, puisqu'en 2016, j'avais proposé à la SPIM de travailler sur un référentiel d'un label ISR, et le directeur à l'époque de la SPIM considérait que le marché n'était pas suffisamment mûr. Donc, il m'a fait une contre-proposition de rédiger une charte. Donc, on a travaillé en 2016-2017 sur une charte de l'immobilier responsable. Et en septembre 2017, le conseil d'administration de la SPIM a décidé qu'il était temps d'avancer sur la création d'un label. Donc, au sein de la SPIM, on a créé un groupe de travail avec d'autres membres intéressés et on a réfléchi pendant plusieurs années, jusqu'à peu près en 2019 et même au-delà, un peu début 2020, sur ces sujets. On a associé les services d'une boîte de conseil qui est Price. Et on a commencé en faisant un état des lieux, en interrogeant des investisseurs, en interrogeant des associations
associations, organisations, dont Novetic, dont la Caisse des dépôts, dont les RAF, dont l'IFPEB, pour avoir un peu un état des lieux de ce qu'ils voyaient de l'investissement responsable dans l'immobilier et quelle était leur vision du sujet. Et on a commencé un travail systématique de rédaction d'un référentiel. Donc, c'est une initiative du marché, c'est une initiative de la base. Dans le cours de nos réflexions, on a travaillé aussi avec l'AFG. On a rencontré les différentes instances, le comité du label, l'AMF, le ministère des Finances, avec qui on a discuté, avec qui on a partagé. Ils nous ont indiqué, ils ont fait part de leurs remarques et de leurs parfois critiques sur les propositions qu'on faisait. Donc, il y a eu différents allers-retours jusqu'à arriver à un référentiel, un document qui satisfasse tout le monde. Le label a été, sous son aile par le ministère des Finances. C'est devenu un label d'État qui est paru sous forme d'un arrêté ministériel en juillet 2020. Lorsque on se fait labelliser pour une période de 3 années, c'est-à-dire qu'on prend un certain nombre d'engagements qui seront contrôlés pendant 3 ans, et à l'issue de ces 3 ans, on peut sortir du label, c'est-à-dire son fonds, son banque, son fonds ne serait plus labellisé, ou alors prolonger et repartir sur une période de 3 ans. Je disais que le label a été publié en juillet, il est entré en application en octobre, fin octobre, et depuis, une douzaine de fonds ont déjà été labellisés, et d'autres sont en cours. Je sais qu'il y a une file d'attente auprès des certificateurs. Il y avait déjà des certificateurs en place pour le label ISR Valeur Mobilière, et il y en a un nouveau qui est apparu pour l'immobilier. Je crois que c'est Deloitte. Et donc, on a aujourd'hui trois sociétés qui sont capables d'analyser les dossiers des demandeurs. Et malgré ça, il y a une liste d'attente. Nous-mêmes, nous avons chez CNW plusieurs fonds que nous sommes en train de labelliser. Alors, l'ASPIM est membre du comité de promotion du label, aux côtés de l'AFG et du FIR. L'ASPIM est aussi membre du comité du label, sous la direction de Nicole Nota. Alors, le label ISR, comme je vous le disais, alors ça, c'est la partie valeur mob, mais ce qui est vrai, valeur mob est vrai aussi pour l'immobilier, c'est que c'est un label d'État, et ça, c'est une particularité de la France en Europe. C'est les pouvoirs publics qui sont propriétaires de ce label et qui en assurent le respect à travers le comité du label, qui est un organe collégial, mais aussi sous le contrôle de l'AMF. C'est l'AMF qui s'assure du respect de l'arrêté ministériel. Le label est une tentative de professionnaliser et d'éviter au maximum le greenwashing. Donc, il y a une certification par un tiers. Et à l'origine, lorsque j'avais proposé à l'ASPIM en 2016 de créer un label ISR, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai proposé ce label, c'était qu'il y avait un certain nombre d'initiatives et d'ISR autoproclamés, mais pas de contrôle par un organisme tiers. Là, donc, on a un organisme qui vient contrôler l'intention de se faire labelliser, c'est-à-dire un candidat qui souhaite obtenir le label, il y a un dossier initial à constituer qui est contrôlé par le certificateur, et il y a un contrôle qui est réalisé tous les ans par ce même organisme, avec la possibilité, en cas d'écart important et persistant, d'être pénalisé avec des pénalités qui sont proportionnelles à l'écart constaté, qui peuvent aller jusqu'à une perte du label. Donc des conséquences, des sanctions qui sont quand même graves, puisque dans la mesure où les fonds portefeuille labellisés apparaîtront sur un site internet, la perte du label apparaîtra aussi sur le site internet. Alors le label ISR est une référence en Europe.
chiffre Novetic de cette année. Première place en Europe en termes de fonds labellisés et la seconde en termes d'encours parmi l'ensemble des labels créés. Alors nous, on avait fait une espèce d'analyse de l'existant et d'études de marché. Le label ISCR français est un label qui est particulièrement exigeant par rapport à ses homologues européens. Alors la valeur ajoutée de ce label, je l'ai déjà dit, c'est que c'est un gage de crédibilité dès lors que on s'appuie sur un référentiel et qu'on est contrôlé par un tiers. Ça offre aussi une certaine visibilité, puisqu'il y a des instances de promotion du label, puisqu'il y a une communication sur un site Internet. C'est aussi une garantie de transparence, puisqu'il y a des reportings obligatoires, puisqu'il faut aussi remplir le code de transparence. Il y a une certaine information qui sont rendues publiques. Et là, on est en train de mettre en place avec d'autres partenaires un projet de suivi de l'ensemble des fonds labellisés avec une étude, un bilan annuel qui sera publié et avec certainement aussi un événement pour informer sur ce bilan, l'état de maturité, peut-être aussi bien évidemment les succès, mais aussi les points d'amélioration. Et puis, ça permet d'avoir un vocabulaire qui soit commun entre les sociétés de gestion, une définition commune de l'investissement responsable et une qualité minimale, notamment en termes de process de gestion des fonds et portefeuilles ISR. Alors, qu'est-ce qu'un fonds immobilier ? Je vais peut-être passer rapidement là-dessus parce que Véronique en a déjà parlé. Je vous propose de passer à l'autre slide. Alors, le cadre réglementaire, on en a aussi parlé. On pourrait parler aussi de la loi Pacte par rapport à l'importance d'avoir pour les assurances vie qui proposent des unités de compte, d'avoir au moins une unité de compte qui soit labellisée solidaire ou ISR. Et dès 2022, alors je crois que c'était depuis 2021 et à partir de 2022, 2. Alors le marché de l'ISR est un marché qui est aussi en pleine expansion. Ça correspond aux attentes des investisseurs. C'est aussi un moyen pour les sociétés les plus avancées de valoriser leur savoir-faire. Et là, ce qu'on voit, c'est que les sociétés qui étaient historiquement engagées, qui sont ou prou, celles qui se sont impliquées dans l'élaboration du label, vont être labellisées dès 2020-2021 et que ça va monter en puissance parce qu'il y a vraiment une attente du public. Nous, on a un réseau de distribution de PCE et la banque postale et on voit bien qu'au niveau des réseaux, il y a de la demande, il y a des attentes par rapport à des produits labellisés ISR. Et bien évidemment, les investisseurs des attentes par rapport à ça dans la mesure où ils ont fait des lois qui exigent que les produits soient labellisés. L'harmonisation, je vous en ai déjà parlé, le greenwashing aussi, ça fait partie, c'est quelque chose qui a été regardé avec attention par l'AMF, hein, le fait d'éviter tout greenwashing dès lors qu'on parle d'ISR. Alors, pourquoi un label ISR adapté à l'immobilier ? Alors, dans l'immobilier, on a de longue date des certifications environnementales dont vous avez certainement entendu parler, HQE, BREEAM, Legenda en Allemagne, LEED aux États-Unis. Mais ce sont des certifications qui fonctionnent à l'échelle de l'immeuble, c'est-à-dire qu'on certifie un bâtiment, puis un autre, puis un autre. Donc lorsqu'on voit la taille du parc existant, on se dit que si on procède comme ça, dans plusieurs siècles, on y est encore. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que les 10 années qui viennent sont les 10 années les plus importantes de l'histoire de l'humanité du fait du dérèglement climatique et que nous avons encore pendant ces 10 années la possibilité d'infléchir la courbe du carbone. Donc ça veut dire qu'il faut massifier cette transition écologique, il faut massifier les produits ESG. Et le fait de labelliser un fonds, un portefeuille, c'est la possibilité d'agir non pas à l'échelle du bâtiment, mais à l'échelle d'un parc, à l'échelle d'un portefeuille. Et donc d'accélérer le processus de
transition écologique de l'immobilier. Dans la mesure où la construction neuve, je le disais, représente 1% des bâtiments tous les ans, donc le défi de l'immobilier, c'est la transformation du parc existant. Et en cela, le label ISR pourrait être un outil, un moyen, alors pas le seul, mais en tout cas un moyen pour y parvenir. Alors, un moyen pour y parvenir, Véronique l'a dit tout à l'heure, dans l'immobilier, on a traditionnellement adressé le sujet de l'énergie. Et ce, depuis le choc pétrolier de 1973, on a des réglementations thermiques. On a parlé tout à l'heure de la RE2020, qui est la future réglementation thermique, qu'on ne devrait pas appeler RE2020, mais RE2021, puisque les pouvoirs publics sont en retard, malheureusement. Et l'ISR, c'est aussi un moyen de prendre en considération non seulement le pilier environnemental, mais les deux autres piliers sociaux et gouvernaux, et de gouvernance, pardon. Ce qui permet d'avoir une approche qui soit globale sur un certain nombre de critères, et pas uniquement environnementaux, pas uniquement énergie, pas uniquement pollution, comme on voit souvent dans le bâtiment, mais d'avoir quelque chose qui soit global et systématique. Alors, vous me direz, l'environnement, on voit à peu près ce que c'est pour le bâtiment. Le social, qu'est-ce que c'est ? Alors, le social, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure parce que je vous parlerai des indicateurs, mais ça peut être les transports qui sont disponibles. Et on sait qu'il y a un véritable défi sur les transports aussi dans la transition écologique. Et le bâtiment a un rôle à jouer pour pouvoir faire sa transition et accueillir des transports électriques. Aussi avoir des dispositifs de transport doux et aussi être à proximité des transports publics, ce qui est déjà les critères de base de l'immobilier, mais ce n'est pas inutile que l'ESG vienne encore le renforcer. Et donc, on propose dans le cadre du label ISR des indicateurs sociaux, des indicateurs aussi de gouvernance, ce qui va permettre aussi de donner des pistes aux acteurs les moins engagés et de faire monter en compétence la profession en identifiant des indicateurs qui sont vraiment d'importance pour l'immobilier. Donc, on oblige dans le cadre du label à avoir au moins 8 indicateurs et que ces indicateurs soient répartis entre les piliers E, S et G, avec 2 indicateurs obligatoires pour l'environnement, qui sont le carbone et l'énergie, 1 obligatoire sur le S, on a le choix entre le transport et le bien-être dans le bâtiment, et 1 obligatoire pour la gouvernance, qui est la relation avec les parties prenantes. Et on a considéré, quand je dis « on », ce sont la petite dizaine de sociétés de gestion qui ont participé à ces réflexions, à ces travaux, que ça constituait les indicateurs les plus importants pour la profession. Les 4 autres indicateurs, puisque j'ai dit qu'il y en avait 8, pour atteindre les 8, sont laissés à la liberté des sociétés de gestion. Alors pourquoi on laisse de la liberté à ce point ? C'est parce que, en fonction à la fois de la typologie, du contexte dans lequel le portefeuille, si ce sont des bâtiments neufs, si ce sont des bâtiments existants, du niveau de maîtrise que peut avoir la société de gestion des actifs, selon qu'on est en copropriété, en pleine propriété, de la taille d'actifs, selon qu'on se trouve avec du petit commerce en pied d'immeuble ou des centres commerciaux, on n'aura pas les mêmes leviers, on n'aura pas les mêmes possibilités d'action, et il n'y aura pas non plus la même matérialité, la même pertinence des indicateurs. Donc, on a considéré qu'il fallait avoir de la souplesse. Alors, en termes de sélection des actifs, on a laissé la liberté entre du best in class et du best in progress. Je pense que vous êtes familier avec ce vocabulaire, mais je vais quand même rappeler, le best in class étant les actifs les meilleurs d'un univers de référence. Le best in progress, qui sont les actifs qui ne sont pas les meilleurs, mais qui ont un potentiel d'amélioration. On a laissé libre le mode de sélection des actifs, donc on peut être en best in class ou en best in progress. Le best in class en immobilier correspondrait à des bâtiments neufs, certifiés, labellisés. Et le best in progress, des bâtiments existants. Comme je vous le disais, l'enjeu principal, c'est l'amélioration du parc existant. Et il s'avère que le gestionnaire d'actifs n'est pas simplement investment manager, il est aussi asset manager. C'est-à-dire que nous gérons les bâtiments. Nous mettons en place les contrats, nous avons la possibilité de faire réaliser des travaux sur les immeubles. Donc il y a un levier d'action qui est très important au niveau de l'investissement immobilier, qui n'existe pas dans les autres classes d'actifs. Et donc c'est la possibilité offerte de faire du best in progress et d'améliorer la performance des immeubles. Et ce qu'on a écrit, c'est qu'il faut que la performance soit améliorée de 20 points par rapport à la notation ESG initiale,
en travaillant à la fois sur la performance intrinsèque, sur les caractéristiques du bâtiment, et aussi sur l'exploitation, la qualité de l'exploitation et le comportement des utilisateurs, des locataires. Voilà. Alors, quelles sont les exigences du label ISR immobilier ? Alors, chaque société de gestion doit fixer les critères, les indicateurs, les objectifs ESG qu'il souhaite atteindre, décrire la méthodologie qu'il met en place pour atteindre ses objectifs, notamment en termes d'analyse ESG, en termes de décision d'investissement, et ensuite en termes de gestion. Qu'est-ce qui se passe une fois que la notation ESG est faite en matière de gestion? Comment ça se transmet? Comment ça se perpétue en gestion? Et enfin, une société de gestion doit rendre compte de la qualité de sa gestion à travers un reporting clair, simple et fiable, avec des notions d'impact, puisqu'on doit communiquer sur les consommations, enfin un certain nombre d'indicateurs clés, dont les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez les étapes là, qui ont été placées sur le petit schéma, définition d'objectifs, méthodologie d'analyse, construction du portefeuille. Donc à partir de quand je sélectionne un actif ou je le rejette, ou je le prends dans la catégorie Best in Progress, auquel cas il y a un plan d'amélioration de la performance ESG que le gestionnaire s'engage à mettre en œuvre. Il y a tout le volet fédération des acteurs, et là aussi une particularité de l'immobilier, c'est que l'immobilier c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail solitaire, qui fait appel à un grand nombre d'intervenants, des exploitants techniques, gestionnaires d'immeubles, des entreprises de travaux, mais aussi des locataires. Les locataires sont des partenaires incontournables qui ont une influence importante sur la performance ESG des actifs. Pour illustrer le propos, vous pouvez avoir un bâtiment très performant au niveau énergétique dont la performance peut être largement détériorée par un comportement du locataire qui n'est pas vertueux, qui laisserait les fenêtres ouvertes. Ou à l'inverse, vous pouvez avoir 20% d'économie d'énergie sur un bâtiment qui n'est pas très performant, rien qu'en améliorant la qualité de l'exploitation et le comportement du locataire. L'information investisseur et les dispositifs de contrôle. Les dispositifs de contrôle sont importants. Nous, dans ce travail-là, ça signifie associer et collaborer avec les directions internes de la compliance en mettant en place des points de contrôle pour l'ensemble des équipes internes aux étapes clés de la gestion d'un portefeuille ISR immobilier. Et ensuite, l'évaluation des impacts, j'en ai parlé, l'évaluation des impacts positifs, ce travail est fait pour avoir des résultats concrets et pour apporter une contribution positive aux enjeux ESG actuels. Voilà, donc on est à la fois fiers d'avoir fait ce travail pendant 4 ans, et on a beaucoup d'espoir sur la suite. Déjà, on constate beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme autour de ce label, à travers les premiers fonds labellisés, mais aussi les réactions qu'on a eues ici et là. On est en train de mettre en place, comme je vous le disais, un certain nombre de compléments et de dispositifs de promotion, de communication, de suivi, qui vont nous permettre aussi de commencer à réfléchir sur des axes d'amélioration du référentiel existant, parce qu'il ne faut pas s'endormir et se reposer sur ses lauriers, et peut-être envisager à moyen terme déjà une V2 de ce label ISR. Voilà. Merci de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allô ? Allô ? Pardon. Oui, on vous entend bien. Excusez-moi, j'étais pas sur le mute, vous n'étiez pas tout seul. J'ai eu peur parce que j'ai dit que j'ai parlé pendant 5 ans tout seul. Non, j'étais en train de te répondre, Thierry, de parler, mais je n'avais pas mis mon micro. Question à Hélène à laquelle j'ai répondu, c'était pour savoir s'il était possible d'avoir les propositions de KPI sur l'immobilier. Et ça, je pense qu'on pourra peut-être les faire passer surtout à Nuclair.
Et puis la deuxième question, moi je te la laisse avec plaisir, mais c'est une question très intéressante, c'est de savoir si le label ISR immobilier garantit l'alignement du portefeuille sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Véronique, tu veux que je réponde ? Oui. Allô ? Si tu as des éléments de réponse, okay, parce que... Oui, j'ai des éléments de réponse. Dans l'état actuel, le label n'est pas un moyen d'être aligné avec les accords de Paris. On pourrait, pour cela, introduire des seuils, des mécanismes, mais en l'état actuel, ce n'est pas le cas. On avait envisagé, lorsqu'on est en train de rédiger le référentiel, d'avoir un système à échelle, c'est-à-dire avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles en fonction du niveau d'ambition. Donc, c'est des choses qu'on pourrait introduire ultérieurement en se disant que les fonds les plus ambitieux pourraient obtenir une espèce de médaille supplémentaire pour reconnaître leur niveau d'ambition. Mais en l'état actuel, non. Là, ce qui existe aujourd'hui, c'est la méthode, c'est le processus, ce sont les étapes et les mécanismes de contrôle. La difficulté qu'on a eue, c'est dans la mesure où il n'existe pas de base de données statistiques, on n'a pas été en mesure de fixer des seuils minimums. Il y a une note seuil qui doit être fixée par la société de gestion, cette note seuil, c'est la note qui est la frontière entre les actifs best in progress et les actifs best in class. C'est-à-dire qu'au-delà de cette note seuil, on considère qu'on est best in class, qu'on fait partie des meilleurs actifs de l'univers de référence, donc on n'a pas à encore améliorer la performance, on a à la préserver, à la pérenniser. Donc le travail, je pense qu'il faudra qu'on fasse dans les années qui viennent, ça sera l'établissement de notre seuil. Et on pourrait notamment, je pense que ça serait important, ça serait bien sûr une réflexion à avoir avec l'ensemble des acteurs concernés dans le comité des labels, mais on pourrait aussi imaginer des coordinations et des intégrations des définitions de l'actif, des actifs verts dans la taxonomie, par exemple. L'alignement avec l'accord de Paris, ça pourrait aussi être un niveau d'ambition. Il est sur un seul critère, donc attention, on est sur du multicritère, on pourrait avoir des profils particuliers, un profil accord de Paris, par exemple. Ça serait envisageable, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a d'autres. C'est moi qui les lis, du coup. Comme vous voulez, je vous en prie. Allez-y, Véronique. D'accord. Alors, question, quel référentiel permet de mesurer l'alignement, juste la RE 2020, point d'interrogation. Alors, je te laisse répondre, Thierry. La RE 2020, la RE 2020 ne permettra pas de mesurer l'alignement avec l'accord de Paris. Je pense que vous avez tous suivi notre affaire à tous et les derniers développements, là, je crois que c'était la semaine dernière, où le rapporteur public a conclu que l'État français lui-même ne respectait pas ses engagements dans l'accord de Paris. La RE 2020, c'est une réglementation française. Déjà, il semblerait que entre les engagements qui ont été pris par les États et les scénarios nationaux, les NDC, la stratégie nationale bas carbone en France, on dépasse très largement les 1,5 degrés. Après, les questions d'alignement, il y a différentes méthodes pour savoir si on est aligné ou pas. Il y a notamment la méthode Science-Based Target américaine. Il en existe d'autres. L'idée du label, c'est pas d'être agnostique, de ne pas privilégier tel ou tel standard ou méthodologie. Donc, on pourrait avoir un critère qui dirait qu'un fonds qui serait aligné avec les accords de Paris, il bénéficierait d'une médaille supplémentaire d'un certain nombre d'étoiles.
mais sans imposer ni la méthodologie, le comment pour cela. En disant, on se base sur des méthodes éprouvées ou de justifier des méthodes qui sont utilisées. Mais en tout cas, sur la question, est-ce que la RE 2020 permet d'atteindre l'accord de Paris? Non. La RE 2020 concerne les bâtiments neufs. C'est la nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments neufs. Alors, la RE 2020 est très intéressante, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le penser, parce que la RE 2020 va imposer à faire des analyses de cycle de vie, énergie et carbone. Jusqu'à maintenant, les réglementations thermiques ne parlaient que de l'énergie et du confort dans l'immeuble. Là, on va parler de l'énergie, du carbone et du confort dans l'immeuble. Et jusqu'à maintenant, on parlait que des consommations énergétiques en exploitation, la vie en œuvre du bâtiment. Maintenant, on va parler, donc c'est une photographie, on va parler du film, c'est-à-dire des consommations et des émissions de carbone sur tout le cycle de vie. Ce qui veut dire qu'on va faire rentrer dans, dans les décisions et dans les critères de choix techniques les phases amont. Fabrication des composants du bâtiment et construction du bâtiment, conception et construction du bâtiment, qui représentent aujourd'hui, on le sait, 50, 60, moi j'ai fait le test sur le bâtiment de logistique, on arrive sur certains bâtiments jusqu'à 70% du carbone sur les phases amont, c'est-à-dire fabrication des matériaux et construction du bâtiment. Ça veut dire que tout le travail qu'on faisait jusqu'à maintenant dans les réglementations thermiques ne tenait compte que de 30 à 50% des consommations énergétiques. Donc la RE 2020, c'est une avancée majeure, mais elle ne concerne que les bâtiments neufs. Donc elle ne peut en aucun cas constituer une réponse à l'accord de Paris, puisqu'il s'agit de réduire la totalité des émissions de gaz à effet de serre, et pas seulement des 1% des immeubles qui sont construits s'agissant d'immobilier. Voilà. Alors, une question de Pierre Ducré, c'est de savoir si la SPIM a rejoint l'Observatoire de la finance durable. Alors, on en a déjà discuté ensemble, Pierre, hein, mais c'est vrai que nous, on a suivi, enfin, moi, j'ai suivi avec attention le lancement de l'Observatoire. Je trouve que c'est un projet très, très intéressant et un peu structurant, justement, pour arriver à suivre effectivement les efforts dans le domaine de l'ESG. Alors, nous, on est au balbutiement, en fait. Donc, ce qu'on disait Thierry tout à l'heure, c'est qu'on va effectivement suivre de manière quantitative et qualitative l'évolution des labellisations, notamment essayer de suivre l'appréhension par les acteurs des enjeux ESG à travers différents indicateurs, comme Thierry en a parlé. L'idée, c'est évidemment de pouvoir contribuer à rendre transparent et à valoriser ces démarches. Et dans le cas de l'Observatoire de la finance durable, évidemment que ça, c'est totalement pertinent, ça a du sens. Je crois que quand on sera un tout petit peu plus mûr sur les débuts et puis ensuite on verra comment tout ça se met en place, on pourra en reparler et ça fait sens. Voilà, ça c'est certain, c'est...